Le petit bonhomme en moussin qui se lance et rate le plongeon. Bon, Rodrigue, ça vient le box-office là ? Oui, oui, Gérard, tout de suite ! Je suis presque fini là. Bienvenue dans ce box-office du vendredi. Il faut descendre cette semaine à la 8ème place pour trouver le premier film MAD. Il s'agit de Doomsday, le nouveau Neil Marshall. Fait un score quand même raisonnable, un peu moins de 90 000 entrées dans un parc de salles de 137 écrans. Alors le problème, c'est que, comme l'ont dit certains madnautes, il est très difficile de voir le film dans certaines régions de France. Un gros problème que les films fantastiques rencontrent régulièrement. Et encore, on n'est pas dans un cas comme celui de The Mist ou celui de Eden Log qui était sorti dans 3 salles et demie. Donc encore des efforts à faire pour que le fantastique trouve toute sa place dans l'hexagone. Quant au dernier film d'Alex, pas le Busty mais le Iglesia, Crime à Oxford, eh ben, c'est pas 300 000 entrées en 2 semaines, c'est pas terrible. Il est à 200 000 et quelques. Il n'atteindra pas les 500 000 en fin de carrière. Un petit Iglesia donc. Mais la débandade du mois, c'est la triste pensée que nous envoyons à Black Sheep. Et c'est un peu plus de 20 000 entrées en fin de course. C'est un petit peu minable, mais que voulez-vous ? Vous avez préféré ça. Choisir Alba, c'est une question d'hygiène. Et vous êtes propre, puisque 25 000 d'entre vous sont allés voir Jessica Alba mercredi dernier. Dans The Eye, donc très bon démarrage pour la comédie animalière de Xavier Palud et David Moreau. Un très bon démarrage essentiellement dû à Jessica Alba, oui, une tête d'affiche, parce qu'un film d'horreur lambda, en général, ça fait moins. Donc parions qu'en deuxième semaine, ça va un petit peu baisser, mais c'est quand même pas mal. Et chez nos amis d'outre-Atlantique, ce sont les Ruines qui prennent la 5ème place du box-office. Le film d'horreur récupère 8 millions de dollars pour le week-end de sa sortie, le week-end dernier. C'est pas terrible, puisqu'on est loin des scores de Hostel, Grudge et Saw à l'époque où chaque film d'horreur cartonnait les uns après les autres. On espère que le remake de Prom Night, qui sort ce week-end, et qui est PG-13 alors que l'original était R, eh ben on espère que ce remake va cartonner et relancer un petit peu cette mode qui nous avait tous donné une érection monstrueuse. On se retrouve mardi pour les sorties la semaine cinéma, et d'ici là, coiffez-vous bien. Ah. Tu vois Jean-Claude, c'est ça l'esprit Mad Movies, l'amour du travail bien fait.